Donc bonjour à tous les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc Serven Black, aujourd'hui on va faire une vidéo sur Mother Red, comme c'était prévu. Comme je l'ai dit hier, je n'ai pas fait la surprise parce que de toute façon vous y attendiez. Donc on va continuer notre aventure là où on s'est arrêté. Je sais pas ce que ça donne sur ce jeu de mettre les Gunnar. J'ai testé de jouer avec. J'espère que c'est pas dégueulasse. Parce que un jeu où il y a beaucoup d'obscurité, je sais pas si ça va le faire. Parce que le but, c'est quand même de voir quelque chose. Ah oui, la lumière s'était coupée, d'accord. Ouais. Je m'en souviens. Qu'est-ce que c'est pour se baisser? C'est pour la torche. Ah, j'ai même pas qu'on pouvait faire ça. Pourquoi la lumière n'a pas... D'accord, ça n'avait pas sauvegardé. Maintenant, les lumières ont sauté. Donc, il y a marqué « Trouver le générateur ». D'accord, j'ai pas eu le temps, bon. Il est marqué là. Donc, dirigez-vous vers la... Essayez de vous échapper du manoir. Ok, il y a marqué tout ce que je dois faire là. Trouver le moyen de soulever la grille. Trouver le générateur d'électricité, rallumez-le. Bon, l'autre fois il m'a grillé avec ma torche, donc je sais pas si je la mets. Le truc c'est que je vois rien. Oh, mais il se ramène. Tiens, je l'ai. Allez, cours pas assez vite. Dr. Reed, are you doing some overtime? Ah. I'll make you swallow your own tongue. Mais d'où? Tiens. Ok, bon, apparemment il vous lâche quand vous le blessez. Je vais m'embêter de la santé, moi. C'est ça. Voilà. Comme ça, il m'aura tapé pour rien, miskin. Ah, c'est de retour dans la chambre. Le truc, c'est que là, il est au bon étage. Oh putain, il arrive. Il va pas me laisser tranquille, hein. J'y vais. Faut tenter le coup. Non, on va jamais bouger de là. Ah, mais il arrive. Putain. Ah, c'est un brainer le mec. Oh putain. Il est fort, il est fort. Il s'est pas laissé avoir par mon contournement. Il m'a fait flipper cet enculé. Vous avez vu, il est trop fort. Comment il se laisse pas faire? Il a été patché. Regardez, il fait le tour et tout. Oh, il s'est pris un patch dans la gueule. Il est sale sans patch. Moi je descends. Faut que je le trace et que je me planque là. Ah, c'est bon.
Pas assez rapide, vieux con. Heureusement qu'il n'entend pas quand il fait ça. Hein. Oh, le jumpscare qui m'a mis, putain, en haut. Bon, le principal, c'est qu'on a rushé et qu'on est descendu. C'est là qu'on doit aller, de toute façon. Donc ça nous a fait... D'accord. Ça nous a fait gagner un temps précieux. Voilà. Parce qu'on n'a plus qu'à descendre et après il va nous rejoindre. On va attendre que ses pas, il s'éloigne un peu quand même. Il est remonté ou je rêve? Ah, putain, m'a trouvé l'enculé! Oh putain, il a une portée de ouf! Elle me colle pas là! Arrête de me saouler! Non, t'as pas de gift! Mon armoire préférée! Ah, les courses-poursuites, elles sont... Laisse tomber. J'aime parce qu'il regarde dedans, mais tu sais, il ne voit pas. Il est con, des fois. Si, en fait, c'est comme si la personne était là, tu sais. La personne était là, et tu sais, tu regardes comme ça. Non, je vois rien. Ce jeu. En fait, ce jeu a des mécaniques bizarres, mais dans les courses-poursuites, c'est stressant. Au moins, j'ai été là où je devais aller. J'ai remis le courant alors qu'il m'avait vu en deux temps trois mouvements. Clé de la pendule. Il nous a rajouté un truc. Trouver quoi que ce soit pour activer le compteur des escaliers dans la cave. J'y suis dans la cave. C'est quoi le compteur des escaliers? Ah, ça! Il faut remplacer les batteries. Ouais, d'accord. Là, il est derrière, les amis. Hein. En fait, il était à l'étage hein, depuis tout à l'heure. Ah, ou alors il est remonté à l'étage. Où faut que j'aille? Ah oui, c'est la cuisine, non. Pas là qu'il faut aller. Trouver le couloir de l'horloge. C'est pas cette horloge-là? Je vais checker. Ouais, ça doit être ça. C'est celle-là. T'as, j'ai de la chance, hein. Il manque une clé dans le cadran. Oui, bah en fait, t'as le truc, madame. Voilà. Quoi? Comment je pouvais savoir ça? Oh non! Mais what the fuck? On peut recommencer? Ce jeu a vraiment de sa gueule. Ouais. Je prends l'objet, je meurs. C'est logique qu'il est parti voir le générateur. Du coup, il campe à gauche. Tiens, on a mis du temps.
section que tu capaderais là. Oh mais gros, comment il a fait pour m'entendre? Wesh. C'est impossible. J'ai fait tout doucement. Eh, il est passé par là. Ah bah oui, c'est moi qui ai ouvert la porte. J'aurais peut-être pas dû. Parce que du coup j'ai fait un raccourci à cet enculé. Mais il était monté et il est redescendu quand il a... Vous avez vu le jeu comme il est scripté? Il était monté et il est redescendu direct. C'est ça que j'aime pas en fait dans ce jeu. Dès qu'il voit qu'ils sont dans la mauvaise direction... Ah! Retour arrière. En même temps, s'il avait pas un détecteur, le jeu serait moins facile. Enfin, serait plus facile, pardon. De toute façon, il reste en haut là, c'est pas grave. Du coup, il a ouvert toutes les portes, cet enfoiré. Ah, mais j'ai déjà la bobine. D'accord. Bon, il n'y a pas de miroir pour sauvegarder ici. Soit je vais sauvegarder, soit je vais direct faire le truc. Mais moi, je préfère sauvegarder quand même. Je sais jamais à quel étage il se situe avec cette maison. On y va, on y va, on y va, il arrive. Ah, mais il était là! Oh merde! Ah, il m'a braillé. Okay. Ouais, j'arrête de spammer. Oh, il va me défoncer avant que je sauvegarde. Ah. Défonce la porte. Voilà. On va lui faire le coup du brain. I know you're here somewhere. Fou, je savais pas de quel côté il allait aller. Des fois il passe à droite et à gauche. Ça marche toujours le coup du bureau. Hein. C'est... Dans la première vidéo ça avait bien fonctionné. Enfin dans ma vidéo précédente. Et du coup, il m'a bien blessé, là. Il va falloir que je me sauvegarde très vite. Le point positif, c'est que je suis à côté du miroir. Donc si je comprends bien... la légende qui disait que genre... Mais j'ai mis pas un peu trop fort quand elle est blessée. Je crois qu'il y a un truc. Hein. Voilà, on est juste à côté du miroir, parfait. J'espère qu'il campe pas le miroir, cet enfoiré. Même pour sauvegarder, il vous saoule. C'est un truc de ouf. Hein. Je pense qu'il campe pas le miroir. De toute façon, il faut y aller. D'abord, on va se remettre nos points de vie. Voilà. Et maintenant, on fait une sauvegarde. Voilà. Comme ça, on recommencera pas le coup de... Il faut remettre le courant. Bon, maintenant, faut redescendre. Même quand vous courez dans les tapis, il vous entend. Ce mec a une super Wii. Alors que c'est un vieux. C'est quand même le comble. C'était là qu'il y avait l'horloge ou pas?
Faut le faire par à coup comme ça, regarde. Ah non, là c'est sa chambre. Putain, j'y crois pas. Trop lent. Je suis bloqué. Ah, il voulait me choper. Ah, il m'a loupé. Me faire courir dans toute la maison. Il est chiant. C'est un pot de colle. Il te lâche jamais. C'est un vrai pot de colle. Regarde, en plus, il s'est mis devant ta cachette. Tu sais pas comment il sait. Oh, du coup, j'ai totalement perdu de vue. Je crois que je suis au bon étage. Bon, moi, je repasse par là. À l'horloge. Ma chérie. Bon, cette fois, il va y avoir... un QTE. Il faut pas louper la touche. Il va y avoir une touche, faudra l'esquiver. Faudra pas la louper, quoi. Je la loupe, tant pis, j'ai fait une sauvegarde. Au pire, j'appuie partout. Non. C'était A. Heureusement, c'était A. Adieu, je suis plus là. Oh. Il donne des à-coups, ce bâtard. Toujours fermer les portes. Derrière soi. Ah, voilà le projecteur. Il me semblait bien qu'il était ici. On met la batterie d'abord. Et le film. Il me faut une surface pour projeter la vidéo. Voilà. Wesh. Ah. Un cinématique. Quand ça bug comme ça. Mesmerism session with drug injection. Patient is Richard Felton. Mr. Felton, I remind you that you were sedated with a dose of phenoxyl and submitted to the constant swing of the metronome. Can you hear me? Yes. Breathe. Ça vous fait mal à tête, hein? Keep your eyes on the metronome. I can't follow. Stay calm. Keep control of yourself. We are here for you, Mr. Felton. What day were you born? February 16th. Can you tell me which day today is, or your wife's name? Ariana. We're in March, I think. I don't remember. I can't remember. That's normal. It's part of the mesmerism process. Stay focused. Keep your eyes on the metronome. You are now in oblivion. What is the first thought that comes to you? Celeste. On the swing. Happy. Celeste, can you see her? Keep visual contact. I see her back. She's still swinging. She can't hear me. Why doesn't she hear me? Mr. Felton, keep calm. What you see is not material.
It's a reflection of your subconscious. My entire fault. I knew this would happen. J'ai bien fait de mettre mes lunettes, hein, parce que vu les flashs. We were supposed to protect her so that they wouldn't find her. Who are they? But I never thought she'd come back. Father, do you mean Celeste came back after she disappeared? She wasn't my little girl. No, she wasn't Celeste. She was Jennifer. Mr. Felton, who are you talking about? Who's Jennifer? When my father came back in 1930, it was like he was dead. No physical wounds, just broken inside. He changed. I have never liked or loved him very much, but the man that came back from Ethiopia was far from being the man that once left us. He came back to himself pretty quickly, but not how I wanted. Mr. Felton, were you abused by your father? Oh, no, never. He was a good man. Very strict, yes. A monster, but not kind of monster. He never touched me. I was a disappointment to him. A wimp. I never touched my daughter. Do you think your daughter's disappearance is related to your relationship with your father? She should have never been born. My father, he hurt me to prevent me from her. Oh, ouais. Is this why you came here, Doctor? I hope you found what you were looking for. I tried to warn you. You should have listened. Is it really worth it to put yourself into this story? Il l'a chopé qu'un bâton de fourrière. Stop, you bitch! Some things die and stay dead forever. Other things die. S'en fout, on l'a déjà regardé. Just linger in time. Sir, sooner or later, everyone will find out the truth. I already told you the truth. My daughter left us. Just one afternoon. We never saw her again. Fucking liar! You said that she came back, didn't you? You don't understand. You have no idea of what I've been through. The pain. And didn't you think of the pain your daughter spent through? Oh no, Celeste was the only bond between my wife and I. Our marriage was more of a business deal than love. It was one of those arranged marriages where only the parents-in-law love each other. This has nothing to do with your daughter. On the contrary, it has everything to do with her. After she disappeared, Ariana and I were divided. But you said you were protecting Celeste. From who? It's more than you can handle, miss, and you would not understand. It's true. I might not be able to understand. But right now, I believe Celeste decided to leave because she was terrorized by your morbid intentions. No, it's not true. And yet, sometime later, she comes back home to the lion's den. It's not true. One afternoon, she knocked on the door. I couldn't believe it. She was there. Mm-hmm. But it wasn't Celeste. It was Jennifer. Jennifer. Then you came in. God bless you. And thanks to you, I finally realized that Jennifer was to blame for my pain, my disease. I could not let her go away again. So one night I slipped into her bedroom, and there she was, tempting me. I could not let her hurt us again. No, can't be. And yet, il l'a buté. You saw her body. I had to. I didn't have any other choice. Disgusting. Murderer! You're a murderer! Oh, God, forgive me. Forgive me.
I was just following her orders. You came to us to free us from evil. Oh, God. Just the kilos. I knew it. What are you doing here? Oh yes. Je crois que je préfère être vieux en fait. Même lui il a peur. Vas-y on fuit avec lui gros. Tu es le vieux, c'est un connard. Je veux pas mourir. Faut que je trouve une cachette là, mais elle me lâche pas. Wesh, wesh, wesh. Ah ça c'est de la triche ça. Putain elle arrive, elle arrive, elle arrive. Oh le canapé, le canapé. Notre salut. Oh là là. Ah elle est encore plus chiante que lui hein. Dr. Reed. T'as une voix de merde. Va tuer le vieux. C'est une femme qui parle comme ça ou... Je crois que c'est une femme. Hein. On dirait que c'est un mec, mais je crois que c'est une femme. Apparemment, elle sait qui je suis. Elle a dit Dr. Reed. Super. Un nouvel ennemi. Tu es au deuxième ou au premier ou... Ah, il y a la pendule, donc je suis au premier. Oh, il y a un miroir. Bon bah les amis, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc les amis, la prochaine fois on reprendra d'ici. je vais pas avancer plus parce que de toute façon ça sauvegardera pas. Je peux pas faire plus. Donc bah dans la prochaine vidéo, on continuera notre petite aventure. Déjà là, on a bien avancé. On va se taper un nouvel ennemi, donc au revoir le vieux, heureusement. Mais je pense qu'elle, elle est plus chiante parce qu'elle invoque des papillons en plus quand vous courez trop. Donc ça va être un peu plus chaud. Voilà. Vous entendez même pas ces bruits de pas. Donc ça va être très chaud avec elle. Donc n'hésitez pas à me chier le petit like ou à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis n'hésitez pas à aller checker mes lives. Je suis en live à partir de 15h. De toute façon je le répète à chaque fin de vidéo. Mais ça vous délivre. Donc ciao les gens.